sens bien nerveux aujourd'hui. Ce cheval, j'en ai jamais vu un comme ça. Il y a eu Roquépine, Ville de Mai, Géninotte, Ourasi, et à partir de maintenant, il va falloir compter avec Angel Rock. Il est beau ce cheval, allez, viens. Voilà, allez, allez, allez. Beau cheval, ouais, alors. Pourquoi tu le retiens comme ça? Il est nerveux comme une mouche. Écoute, si tu sais pas draguer, tu me le laisses. Il a peur de l'orage, mademoiselle. C'est toi qui as peur, peut-être, non? Ok, allez, écartez-vous. Allez! Où tu vas, là? Sors ce calme! Doucement, doucement! Faut pas lui parler comme ça. Allez, plus vite! Plus vite! Allez, bouge-toi un peu, allez, avance! Allez! Allez, bouge-toi, avance! Avance, je te dis, bouge-toi! Lève-toi, Angel Rock. Lève-toi. Merde. Putain. Putain. Au secours! Et lève-toi. Lève-toi. Il a une chance sur combien? C'est foutu. Le canon est fracturé, on le sent rien qu'avec les doigts. Le boulet ne tient plus qu'avec les tendons. Il ne gagnera plus jamais le prix d'Amérique, de rien du tout. Pauvre bête. Il a une chance sur combien? Vous le savez très bien, monsieur Lacarrière. Dis-le! Je veux que ce soit toi qui me le dise! Une sur mille. Alors, direction la boucherie! Non! Toi, le driver, dehors! Non, mais c'est ma faute, c'est moi le responsable. Alors, c'est toi qui prends la porte! Pousse-toi, toi! Il peut pas faire ça, pas à Jock. Il a fait sa vie ici. Il ira la faire ailleurs.
Je viens de perdre une fortune avec ce foutu cheval, j'ai pas envie d'y laisser ma chemise. Cette fois-ci, le haras, c'est fini. Elisabeth, tu entends? C'est fini. Je le vends. T'en fais pas. Il est en colère, il ne sait pas ce qu'il dit. Véronique. Laisse-lui une chance. Mais c'est stupide, il va souffrir des jours, des semaines pour rien. Vous inquiétez pas, hein, il le fera pas. J'ai déjà connu ça, ça fait 30 ans que je bosse ici. Alors, il le fera pas. Ouais, au boulot, là, vous deux, là, on va pas vous payer à rien faire. Eh ben, il a assuré, Rousseau, tiens. Pas la boucherie, je te le jure. Je te le jure aussi. Je les sors du frigo. Si la cassure est franche, ça peut se ressouder, ça s'est déjà vu. Et alors? T'as plus jamais un crack? Ici, c'est une fabrique de champions, c'est pas un hosto. Bon, tu t'en fous d'être un champion, hein? Tu veux vivre? Ah, tu vois, il a dit oui. T'as de l'alcool? Oui, il y en a dans la manette. Non, de l'alcool à boire, du whisky, t'as pas du whisky? Ah oui, j'ai de l'agneau, là. T'as raison, je vais en avoir besoin. On reverse là-dedans. C'est de la bonne. Bah tant pis. Tout! Parce que c'est lui, hein. Voilà, c'est bon. On prend lui la tête. Tiens, Jack Rock. Voilà. Ils ont lui la bouche. Voilà, tiens-le comme ça. Tiens-le, hein. Oui, vas-y. Allez. Ouais, je sais pas. Il est pas long. Hein? Voilà. Il ne faut surtout pas qu'il bouge, là. J'ai bientôt fini. Vas-y. C'est bon? Ouais, donc c'est bientôt fini, ça y est. Bertoli! Michel a réussi à lui passer une attelle. Choc, tu m'emmerdes! Mais il est foutu, là! Mais se penche pas comme les autres, c'est pas de l'os qu'il a, c'est du chêne. Je te préviens, si on est obligé de l'abattre, c'est toi qui le feras! On sera pas obligé de le faire. Écoutez, j'ai réfléchi à votre offre. Elle m'intéresse. Oui, oui, j'ai votre lettre sous les yeux. On peut se voir quand vous voulez. Demain. Entendu. Très bien, au revoir, monsieur. C'est ton Jules et tu fais ce que tu veux avec lui. Mais moi, ce qu'il dit, j'en ai rien à branler. Véro, tu parles autrement, s'il te plaît. Jusqu'ici, je l'ai supporté sans rien dire. Mais s'il a le malheur de toucher Angel Rock, t'auras pas le choix. Ce sera cette espèce de connard ou moi. Tu oublies que tu parles de mon mari. Non, je l'oublie pas, je te préviens. Si tu laisses faire ça, je me tire. Tu t'habilles comme ça pour aller au lycée? Eh ben, pense à augmenter mon argent de poche si tu veux me voir en Chanel. Ta fille est toujours aussi aimable. Elle est bouleversée. Elle veut sauver ce cheval. Pourquoi ne pas essayer? Non. Et pour le haras?
C'était quoi ces menaces ridicules tout à l'heure? Elisabeth, si j'ai racheté ce haras, c'est pour toi. Aujourd'hui, il me coûte de l'argent. Et de l'argent, Dieu sait s'il vous en faut à ta fille et à toi. Il y a sûrement une autre façon d'envisager la question. Je t'écoute. Tu sais, la crise de l'immobilier est loin d'être résorbée. J'ai 4 immeubles de bureaux sur les bras. Avec cet accident, je perds 8 millions de francs. Tu crois pas que ça suffit comme ça? Une fois qu'on aura vendu ce haras, je place l'argent et tu n'auras plus à t'en faire. Mais le château, les chevaux, c'est toute ma vie. Laisse-moi t'en proposer une autre de vie. C'est celle-ci que j'aime. Et moi dans tout ça. Jean. Je ne m'en remettrai pas. Je te préviens, pour Angel Rock, je te laisserai pas faire. Tu ferais quoi, toi? Je commencerai par le sauver. Ah oui, et le sauver pourquoi? Pour l'entretenir? Tu sais combien j'ai perdu aujourd'hui? Tu voudrais que je paye une pension d'invalide? J'ai l'occasion de le vendre au prix de la bidoche. C'est une misère, mais c'est quand même du blé. Putain, mais t'es ignoble! Non, réaliste. S'il crève ici, il vaut plus rien pour la boucherie. Il est bon pour l'écarissage. Si tu fais ça... Écoute, Véro... Ne me touche pas! Mais tout ça pour des bourrins! Je vous comprends pas, ta mère et toi. D'ailleurs, je comprends plus rien. Voilà. Allez, bonne nuit, repose-toi bien. À demain. Bertoli, combien ça vaut un cheval? Je veux dire, un cheval qu'on envoie à l'abattoir. Tu penses à Angel Rock, hein? T'as entendu monsieur la carrière? Tu veux retourner à la DAS? Prenez. Faut t'endurcir, mon garçon. On ne fait pas ce boulot avec des bons sentiments, hein? Mais combien ça vaut? Mais à quoi ça te sert de le savoir? C'est pas toi qui le vends. Enfin, René, dis-lui, il veut juste savoir. Dis-lui combien. Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, hein? Ça dépend, je... Ça dépend de son poids, voilà. Ça se vend au poids. Oublie-le, hein. Ce sera mieux. Mais moi, je veux du fric. Pourquoi j'ai pas de fric? Merde.
Jack. Michel! Michel! Donc Michel. Ça passait des choses entre cette bête et lui, à croire qu'ils parlaient la même langue. Ça suffit, Jock. Je l'ai prévenu, il est préparé. Il est préparé à quoi? On se prépare pas à souffrir, hein, on subit. Ça fait partie de l'éducation. Alors là, j'ai plus rien à dire, c'est ton domaine. Ok, on y va. C'est une erreur, c'est un malentendu, on va vous expliquer. Ce cheval, il devrait pas être là. Ben vous le prenez pour qui? Si je voyais pas qu'il a une patte cassée. On a de l'argent pour vous le payer. Vous avez pas la battre alors qu'on a de l'argent, regardez. Arrêtez de lui tirer dessus comme ça, oui, c'est bon. D'être propriétaire tout d'un coup. J'en reviens pas. Mais pourtant, il va falloir t'y faire. Il est à nous maintenant. Bah justement, pour l'argent, je voudrais... Non, laisse, c'est un emprunt. J'en parlerai à ma mère. Bon, pour une brique, ils vont pas nous en faire un fromage. Bon, bah, je m'arrangerai pour les rembourser alors. Ok, je leur dirai. L'allure est bonne, là. Oui, oui. Ils ont accéléré.
soyez calme quand même, hein. Il reste calme. Bah, il est beau, amour d'avril. Continue, c'est bon comme ça. Là, il fait une seconde de moins. Dis-moi, t'as pas vu maman? Non. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas au lycée? Non, aujourd'hui je sèche. Ah, pour changer. Et là, on sauve sans dire bonjour à son vieil Alexis. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un scoop. Lui, là, c'est le plus con du siècle. Ah ouais? Dis donc, tu deviens de plus en plus belle, toi, il n'y a pas si longtemps, t'avais rien, là. J'ai toujours rien. On est un petit peu plus développé, quoi. Ouais, ta langue aussi, elle est pas mal développée. Et tu l'as jamais eu dans ta poche. Ouais. Très bien. Calme maintenant. Allez. Très bien. Voilà. Ouais. Oh, il a chaud, là. Oh, il est superbe. Il est fatigué, hein? Oh, il a chaud. Ça va? Salut. Mais il n'y a pas de quoi être fier, hein? Il s'est traîné dans les 100 derniers mètres. Vous y connaissez que dalle au canasson, Bakoulian. Croyez-moi la carrière des champions, hein. J'en ai vu, mais alors celui-là... Ouais. Angèle Rock. Ouais. Mais il fait plus partie de la course. Le champion, c'est Amour d'Avril. Et il va gagner le Prix d'Amérique, les doigts dans le nez. Bah, il faudra l'économiser avant le dernier virage. Hein. Regardez-le, votre bidet, il est asphyxié. Un bidet. Abruti, il est asphyxié, là. Il faudra l'économiser avant le dernier virage. Hein? Maman, faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Lard. On va le perdre. Les chevaux partiront l'un après l'autre. Puis le terrain. Le château. Mais qu'est-ce que tu dis? On a reçu une offre. Très intéressante, hélas. Il refuse. Si je pouvais. Un instant, ça ira mieux, je te promets. Carrière ne va pas apprécier du tout, hein, mais vraiment pas. Si jamais il s'aperçoit que ton cheval est logé et nourri aux frais de la princesse... J'ai ce qu'il faut pour la pension. T'as pas fait de conneries, au moins, hein? Non, c'est de l'argent que j'ai emprunté. Le vieux château d'eau, au fond du haras. On va le transporter là-bas, hein? Ah, merci beaucoup, monsieur Bertoli. Ne me remercie pas. Je te rends vraiment pas service. Vous étiez trop mignons tous les deux. Comment il va? Bon, il a tout compris, il est content.
Alors, ils sont au courant pour l'argent? Je viens de parler à ma mère. Et une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'elle aime les chevaux autant que toi et moi. Bon, donc elle a compris. De toute façon, on trouvera toujours une solution pour les rembourser. Et c'est toi qui vas nous aider? Il est vraiment dans une forme splendide. Jean mise beaucoup sur lui. J'en aime pas les chevaux. Tout le monde n'est pas obligé de les aimer. Mais c'est ton mari, tu vis avec lui, mais comment tu fais pour supporter ça? Tu oublies que quand ton père est mort, il a surtout laissé des dettes. Oui, et c'est Jean qui les a payées, je sais. Ça mérite une certaine reconnaissance tout de même. Oui, bah compte pas sur moi. Il n'a pas que des défauts, Véro. Ça, les affaires, il connaît. Écoute, je sais qu'il peut paraître grossier parfois à ne parler que d'argent. Mais c'est sa façon de s'affirmer, de se mettre à égalité avec nous. C'est sa façon de nous dire qu'il nous aime. Il aime surtout tes relations et ta carte du Jockey Club. L'amour est une préoccupation de ton âge, plus du mien. Je ne l'aime pas, maman. Je ne t'en demande pas tant, mais fais un effort. Je tiens à lui, tu devrais le comprendre. Ton père était irresponsable, infantile. Quand il m'a fait venir ici, il a fallu que je m'occupe de tout, surtout de lui. Avec Jean, j'ai le sentiment qu'on s'occupe enfin de moi. J'espère que t'as encore ton mot à dire. Tu penses à Angel Rock? On ne pouvait pas le laisser souffrir. Il est pas mort, maman. Michel l'a racheté. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui ai eu l'idée. Jean va être fou de rage. Il n'en saura rien si tu lui dis rien. Il me manque de l'argent liquide. C'est pas toi qui l'as pris dans mon bureau? Bien sûr que non, je t'en avais parlé. Je sais pas si elle devient une femme ou un mec. Bon, ben... à toi de jouer maintenant, hein? Allez. Merci, monsieur Bertelli. C'est à qui ce cheval? Ah, c'est à moi. C'est pas vrai. Il s'est relevé tout seul? Ouais. Oh nom de Dieu! Tu regardes le hibou maintenant. Il est jaloux comme une gonzesse, ce cheval, hein? Il est pas jaloux, il est reconnaissant. Et moi, j'ai rien fait pour lui, peut-être, hein?
père veut vendre le haras, tu le savais? Bien sûr, je le sais. Tout le monde ne parle que de ça depuis des semaines. Tu sais pourquoi il veut mettre le paquet sur un mois d'avril? Non. Parce que ce connard espère le vendre encore plus cher. Un mois d'avril est à mon cheval, mais il n'y aura pas le prix d'Amérique. Il paraît qu'il a ses chances. Pas contre Jack Rock. Tu déconnes? Non, je déconne pas. On va gagner. Avec un peu de chance, on pourra racheter le haras. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bah, vas-y, dis. J'ai deux choses à te dire. Un, ma fille, c'est pas pour toi, tu n'y touches pas. Et deux, qui t'a permis de ramener mon cheval ici? Ce n'est plus votre cheval, monsieur, c'est le mien. Vous l'avez vendu, je l'ai racheté. Il est ici parce que je paye une pension à votre intendant, monsieur Bertoli. Avec quoi tu la payes, cette pension? T'as hérité de l'orphelinat? Ça ne vous regarde pas. Tu sais qu'on m'a volé de l'argent? Il n'y a pas de raison que je le sache. Si j'apprends que t'as piqué dans la caisse, Bertoli ou pas, je t'envoie chez le juge. Maintenant, dégage. D'ailleurs, après le prix d'Amérique, vous dégagez tous! Comme ça depuis des semaines. Il parle plus, il bouge plus. On peut rien en tirer. Mais qui a été lui dire que son frère allait venir le chercher? Personne. Il s'est mis ça dans la tête tout seul. Ces deux-là, fallait pas les séparer. Et pourquoi est-ce qu'on nous demande jamais notre avis? Bonjour, Romain. Tu veux que je lise la lettre? Ah, c'est ton frère. Mon petit frère, grâce à une fille formidable qui s'appelle Véronique, j'ai pu sauver un cheval. Il a une jambe cassée, mais depuis des semaines, on fait tout pour le guérir. C'est lui qui est sur la photo. J'espère que tu pourras le voir bientôt en vrai et que Véronique te plaira. J'ai oublié de te dire le plus important, je l'aime.
Ah, l'engorgement est fini. Les tendons sont bien secs, hein. Ouais, ça a l'air de tenir, dis donc. Hein. Ouais, superbe. Oh là là, on rappelle un pêcheur à Cabourg, tiens. Un albatros plonge dans son filet, et clac, il se casse une aile. Ben, il l'a recueilli, il lui a fabriqué une attelle, il l'a nourri avec des sardines, l'a réchauffé, puis quelques temps après, il l'a bagué, avec son nom et son adresse, et il l'a relâché à la mer. Et ben, 3 mois après, il recevait une lettre d'Amérique. L'albatros avait traversé l'Atlantique avec son attelle. N'importe quoi. Hey, même qu'il a fini deuxième au Grand Prix des Albatros, à Miami. Hey, c'est pas ça? Bon, regarde-le quand il trotte. Ouais, hey, vas-y doucement. Le force pas surtout, hein. Boitille un peu quand même, regarde. À peine. Allô, oui. Allô. Bon, ben, oui, j'arrive. Michel. Ouais. La police veut te parler. La police? Oui, l'inspecteur Clément, il nous attend devant la maison. Allez, viens. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ben, j'en sais rien. À tout à l'heure. Viens vite. On est sûr que c'est une fugue. Tu sais pas où il aurait pu aller se cacher? Ah non. Il t'a rien dit. Ni écrit. Rien, il aime pas écrire. Il a pas essayé de te joindre. Mais non, je vous dis. Bon. On va faire imprimer des affichettes. Il me faudrait une photo de ton petit frère. T'en as une? Ouais, ça ira. Ah, dis donc, si jamais il se manifeste, tu nous préviens, hein? Oui, bien sûr. D'accord? Oui, bien sûr. Bon. Gauthier, on y va. Gauthier, on y va! Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, moi. Enfin, si, tu sais quelque chose. Mais non, je l'aurais dit, inspecteur, je l'aurais dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Romain! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Oh, tu m'as foutu une de ces trouilles! Qui c'est ce bout de chou? C'est Romain, mon frangin. Eh ben, dis donc, Romain, d'où tu sors? Je veux rester avec toi. Bon, préviens personne et tu gardes ça pour toi. Bien que personne viendra le chercher chez moi. T'as compris, hein? Faut pas sortir d'ici. Si jamais quelqu'un te voit... Bon, t'inquiète pas pour lui. Ben si, je m'inquiète. Et comment je m'inquiète? Bon, t'as de l'appétit, ça fait plaisir. Qui c'est, Véro? La Véronique, tu vois, elle est super sympa. Sans elle, Angel Rock serait de la pâtée pour chien alors qu'il est. Tu l'aimes plus que moi? Allez, maintenant au lit. Tu me racontes une histoire? Ah non. Les histoires, c'est mon rayon. Eh bien, j'ai pas été un bon père quand il fallait, alors maintenant, il faut que je me rattrape avec les enfants des autres. Allez, assieds-toi, mon bonhomme. On enlève les chaussures. Allez. Hop. Tu connais l'histoire du petit cheval, Rayito? C'est un petit cheval gris pommelé. Il était né en Normandie, dans une grande prairie toute verte, au milieu des pommiers. C'est pour ça qu'on disait qu'il était gris pommelé. Et dans la même prairie, il y avait une petite grenouille verte, mais toute verte, hein, verte, grande comme ça. Et un soir, elle a voulu s'amuser, elle a fait un grand bruit comme ça. Mouah ! Le cheval a eu peur. Voilà.
ben, c'est gentil de m'appeler de temps en temps. Hein? Tu l'aimais bien, papa, non? Oui. Toi, t'as besoin d'argent. C'est plutôt moi qui allais t'en proposer. J'ai cru comprendre que t'avais plus de boulot. Oui, ex-chroniqueur hippique à la radio, ex-journaliste de la presse écrite, ex-flambeur. Qu'est-ce qu'on peut proposer à un homme classé ex? Non, mais tu connais beaucoup de monde, hein? Manipuler une cote pour toi, c'est facile, non? Tu commences à m'intéresser. Écoute, je connais un cheval que tout le monde croit foutu, mais qui peut gagner le prix d'Amérique. Et battre le cheval de ta mère, c'est Cornélien. Non, elle est plus à maman, maintenant il y a l'autre. Ah ben, c'est shakespearien, alors. Et où on peut le voir s'entraîner, ton champion, là? Mais écoute, pour le moment, il s'entraîne pas parce qu'il a eu la patte cassée. Ah oui, c'est prometteur. À part ça, il va bien, il a ses deux yeux. Il est en train de guérir. Je veux que tu le vois. Il est vraiment exceptionnel. Entrez. Tiens, là le plus beau. Qu'est-ce qui t'amène? Le bon vent. Alors, paraît que t'es un champion déglingué, O'Hara. Un rescapé de la grande boucherie. Oh là là. Pourquoi tu t'intéresses à lui, toi? Et je m'intéresse à tout ce qui me ressemble. En disant qu'il a une belle attachée de presse. Tiens. Va voir. Sa jambe va tenir. Attends, tu tiendras mieux comme ça. Hein? Regarde, l'os est complètement ressoulé. Plus solide que du neuf. Hein. Avant. Et après. J'en reviens pas. Comme quoi la foi, hein? Ce cheval lui doit la vie, quoi. C'est dommage qu'il le sache pas. T'en fais pas, il le sait. Ces bêtes-là, ça sait tout. Ça pige plus vite qu'un humain. Incroyable. Michel! Michel! Viens vite! Angel Rock est déchaîné, Cyril a essayé de le sortir. Mais pourquoi tu l'as laissé faire? Calme-toi! Pas possible! Il est con, ce cheval! Calme-toi! Je vais te mater, moi, tu vas voir! Non, je vois pas! C'est moi, ok? Arrête de cadrer, Cyril, ne touche pas! Tu vas voir un peu! Lâche-le! Lâche-le, je te dis, pousse-toi! Casse-toi! Tu prends pour qui, là? Ce cheval est à moi, là, tu dégages! Oui, tu dégages, Cyril, s'il te plaît! Allez, le payer, là, tous les deux! C'est ça, je te filerai des cours, mon vieux, allez, casse-toi! C'est ça. Y'a pas de bobo, regarde si le pied n'a pas bougé. Tu m'as convaincu, Alexis Bakoulian, animateur de radio, journaliste et chroniqueur épique. Tu oublies escroc? Oui, c'est vrai. Bon, alors va pour escroc. Tu sais driver? Ah ouais, pourquoi? Parce qu'Angel Rock devant et toi derrière, vous allez gagner le prix d'Amérique. Mais attention, il faut la boucler si on veut prendre le paquet. Puisque pour tout le monde, ce cheval est foutu. On a déjà 5 à savoir que c'est pas vrai. 4. Non, 5 avec Véro. Ah ouais, avec Véro. Ouais. Ah bon, bah je vois que... On a des choses en commun. Hein? Tu dis que tu l'as vu entrer ici? Oui, monsieur. Et il avait l'air de... quelqu'un qui va faire un mauvais coup. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Au début, j'avais seulement des doutes, mais maintenant, je suis sûr qu'il veut faire courir son cheval. Contre Amour d'Avril? Mais dans l'état où il a aucune chance. Je suis pas sûr. C'est toi qui vas gagner. Je le sais. Éventuellement, si j'ai besoin de ton témoignage, je peux compter sur toi? Bien sûr, monsieur. Le juge te fait pas peur? Non, pas du tout, monsieur. Merci, Cyril.
casser. Bah, qu'est-ce qui te rend si nerveux? Je reviens tout de suite une demi-heure. Et où tu vas à cette heure? Une demi-heure. Laisse-le, Yvonne, oh là là. Faut qu'il aille border son champion, sinon il dormira pas de la nuit. Ouais, cet âge, la nuit, c'est pas un cheval qu'on pense quand on est un homme. De quoi tu parles? Mon pauvre bonhomme. Mais enfin, il n'a rien mangé quand on ne mange pas à son âge. Je sais bien ce que ça veut dire. Michel, c'est Véro, tu es là? Michel? C'est toi, Véro? Oui, c'est moi, mais toi, tu es qui? C'est Romain, mon petit frère. Tu m'avais caché ça? Je t'expliquerai. Bon, toi, tu restes là, hein. Jock arrive tout de suite. Allez. Je veux aller avec vous. Ah, tu restes là. T'es sage, hein? Allez, à tout à l'heure. J'ai gardé un secret, tu sais. T'as tort de pas me faire confiance. Mais je te fais confiance. Alors pourquoi tu me dis jamais rien? J'ai rien sur toi, rien sur ta famille, rien. Romain et moi, on n'a pas de famille. Et en dehors de ce cheval, moi j'ai rien à moi. Merci pour moi. J'ai appris qu'il y avait quelque chose entre ce garçon d'écurie et toi. Ce garçon d'écurie, comme tu dis, a un nom. Il s'appelle Michel. Et puis, qu'est-ce que ça peut te foutre? Jean veut que je t'en parle. Bah, vas-y, accouche. Il va porter plainte contre lui. Mais il est fou! Il nous a volé de l'argent. Mais c'est moi qui l'ai volé, cet argent, maman. Et puis, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai sauvé Angel Rock. Mais c'est quand même ce Michel qui, aujourd'hui, en est propriétaire. C'est normal, c'est lui qui s'en occupe et qui l'entraîne pour le Grand Prix. Écoute, Véro, oublie ce garçon, on en restera là. Bon, bah, n'y compte pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu espères? Mais je dis qu'il est exceptionnel, il va gagner le Grand Prix. Lui ou le cheval? Mais tu crois donc plus à rien ou quoi? Arrête de rêver. Pourquoi? C'est interdit, ça aussi? Véronique! Je te préviens, si vous portez plainte contre lui, je quitte cette maison. Top chrono. Il a encore gagné une seconde. Des allures régulières, une mécanique de précision, ça c'est de la cam de champion comme je les aime. Dis donc, Jack, tu te rappelles, il y a 10 ans, t'as gagné devant King Pacha d'un bout de nez. D'un bout de nez, dis donc, l'écoute pas. J'aurais montré mes fesses pendant toute la course. Ouais, enfin, c'est pour ça qu'il y a eu photo à l'arrivée. Ben, il y a peut-être eu photo à l'arrivée, mais j'ai gagné tout de même. Ouais. Mais nous, on n'a pas gagné. Et pourquoi? Parce que je suis un bon pronostiqueur. Alors, comme je t'avais donné gagnant, tout le monde a misé sur toi, et la cote a chuté. Et là, faut pas se bourrer. C'est exactement le contraire qu'il faut faire avec lui. Bon, toi, t'as une cravate. Une cravate? Ah non, jamais, pourquoi? Parce que je t'emmène dans le monde. La carrière donne une petite réception. Non, pas question. Véronique t'attend, tu vas pas lui faire ça. Allez, viens. Faut jamais faire attendre les jolies filles. Vas-y, je te dis. Bon, vas-tu le rendre, je passerai le nourrir tout à l'heure. Bon, je te dis pas le succès que je vais avoir fringué comme ça. Tiens, pour la poussière. Remarque, ça allait faire plaisir de me voir à l'ami la carrière. Thank you.
avez le monde que vous attendiez. T'es en train de changer, toi. Je deviens grande. Je croyais que tu t'en étais aperçue. Exprès, là, elle nous provoque. Écoute, ne fais pas de scandale. Puis, il a l'air d'un gentil garçon. Il nous vole et toi, tu le trouves gentil? Jean, je préfère que ça n'aille pas plus loin. J'avais peur que tu viennes pas. Tu viens, je vais te présenter ma mère. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas elle qui a tout fait. Trop tard, j'ai prévenu les flics. Maman, c'est lui, Michel. Madame. Il m'aime et... je l'aime. Vous vous plaisez, Ouara? Oui, madame. C'est bien payé. Michel est un driver génial. Je n'en doute pas. Tu viens, je te montrerai le jardin. Je leur ai mis le marché en main. Soit ils t'acceptent, soit je me tire. Ma fille nous impose un palefrenier qui pique dans la caisse. Et tu trouves ça drôle? Bah, excuse-moi, pour une fois qu'il se passe quelque chose de drôle dans votre famille. Pourquoi tu veux que ta fille se plante comme tu t'es plantée? Elle a le courage de choisir ce qu'elle aime, tu vas pas lui reprocher. Merci. T'es un vrai ami. Tu m'as remonté le moral. Inspecteur Clément. On m'a dit que je pourrais trouver Michel Rousseau ici. C'est que monsieur et madame reçoivent. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein? Bien sûr. Et on peut le voir. Excusez-moi, monsieur. Et lui, pourquoi tu l'as invité? C'est un vieux copain. Un vieux copain? T'as un gars. C'était le meilleur ami du père de ma fille. Il a toujours été un peu chez lui dans cette maison. Ah oui, si je comprends bien, il faut aussi partie de l'héritage. Avec les dettes, et tes canassons. Attends, excuse-moi. La police chez moi, tu n'aurais pas dû... Ça ne... Bonjour, messieurs. Pas. Monsieur Lacarrière. Bonjour, monsieur. Madame, inspecteur Clément. Navré de vous déranger, mais c'est le juge qui nous envoie. C'est au sujet de votre accusation contre Michel Rousseau. Allez dire au garçon qui est avec ma fille qu'on le demande. Merci. Vous pourriez nous indiquer un endroit tranquille? La cuisine, ça vous va? Parfait. Pardon, suivez-moi. T'étais où le 7 à 5 heures? J'en sais rien, au Hara, j'imagine. Seul? Je sais pas, des fois je suis seul, des fois on est plein de monde, avec les lades et tout, ça dépend. On est bien traité ici. Quand t'es seul, t'es avec qui? Avec mon cheval. Ton cheval? Ça fait pas un témoin, ça. Un témoin de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'es accusé de vol. Et si t'as pas un alibi, t'es bon. Tu l'as depuis quand, ton bourrin? C'est pas un bourrin. Et justement, vers 5 heures, c'est là que j'ai été le chercher. Seul? Oui, seul. Eh ben, c'est faux. On est allé à l'abattoir. T'as acheté un cheval. Tu l'as payé en liquide. Mais tu n'étais pas seul. Tu étais justement avec la fille de madame Lacarrière. Je lui ai demandé de m'accompagner parce qu'elle a un scooter et c'est tout. Ouais. Elle n'était au courant de rien. Merci. Tu devrais mieux tout nous dire. Je n'ai rien à dire de plus. Et ton petit frère, tu sais pas où il est, bien sûr. Non. Tu veux que je t'embarque au commissariat? Pour que le juge te renvoie à la DAS? Mon frère Michel, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Bon, d'accord. Eh bien, on va y aller au commissariat. Allez! Allez, au commissariat! C'est bon. Puis toi, arrête de bouffer, mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Je me tire.
Blin essaie de me farcir la déprime tempérée de ma mère et la connerie de son mari. Ça suffit maintenant. Tu sais pourquoi Jean a donné cette réception? Pour essayer d'amadouer ses banquiers. Voilà où on en est. Mais j'en ai marre. Marre de faire les frais de votre histoire. Non mais c'est quand même pas de ma faute, s'il peut pas te sauter. À chaque fois, son compte est en rouge à la banque. Véro, je te préviens, si tu passes cette porte, tu ne reviens plus. D'arriver en tête, je gagne, tu sais ce qu'elle me fait, pas le planer, elle me vire. Alors je la corrige, deux bons coups de cravache, et je rentre à l'écurie. Eh ben tu me croiras ou tu me croiras pas, son poulain me fonce dessus pour manger sa mère, et il me mord, le salaud. Tiens, regarde, elle est fort. Fais gaffe parce qu'elle aussi, elle mord, si elle sait que sa fille a passé la nuit chez toi, surtout. Eh ben moi, si on me pose pas de questions, je réponds pas. Bonjour. Ça va? Bonjour, madame. Vous n'avez pas vu Véro? Ben, elle est pas au lycée. Elle est partie, Bakou. Elle n'a pas dormi à la maison. Faut prévenir les flics, les copains de ton mari. Mais qu'est-ce que tu as contre Jean? Oh. Ton mari, c'est un nain. C'est un homme. Un homme solide, qui prend ses responsabilités. Un homme sur qui je peux m'appuyer. Et c'est une nouveauté pour moi. Mmh. Il est suffisant, con et fier de l'être. Et accessoirement, il est riche. Et si tout le monde le sait, c'est parce qu'il le dit à tout le monde. C'est même son seul sujet de conversation. Décidément, personne ne me fait de cadeau. Tu boirais bien, Scotch? Ah, bah tu t'humanises. Voilà. Merci. Bon, alors maintenant que tu es en état d'écouter des paroles raisonnables, je vais dire une chose. Ta fille, tu la reverras que si ton mari retire sa plainte. J'en veux bien un autre. Peux avoir un autre whisky, s'il vous plaît, pour madame? Ah, Mérindol, tu veux un tuyau pour Vincennes au lieu de te tuer à la tâche? Ah, ben je viens, oui. Alors, dans le prix d'Amérique, tu joues le 8 gagnant, Amour d'Avril. Tu te fous de ma gueule, c'est le favori. Alors, faut en profiter. Tu as vu, Angel Rock, il était favori il y a 6 mois, on est vraiment peu de choses. Eh, mais c'est vrai ce qu'on dit, il va recourir? Moi, si j'avais pas vu sa radio, je me serais bien laissé tenter. Et qu'est-ce qu'il a exactement? Jambe cassée. Oh. Tiens, ben je vais te faire un cadeau, je vais te la donner, la radio, tu pourras la publier dans ton canard. Mais attention, c'est un scoop, hein, alors tu peux leur demander beaucoup d'oseille. Ah bah alors là, t'es un pote, toi. Ben, je te l'envoie tout à l'heure. Ah bah, merci. Bon, bah pour en revenir à ton mari, c'est un abo. Tu ne changeras donc jamais. Mais je t'en supplie, mais si que c'est moi qui ai piqué ce maison par raison de te garder! Je t'interdis de faire ça. Et pourquoi? Parce que je veux pas que tu dormes en prison! Mais toi, tu dors bien en prison, je veux pas en crever, hein! C'est pas la question, c'est un principe. Même avec tes principes, on est sûr de perdre! Oh putain, Véro, ne remue pas le couteau dans la plaie! Mais putain, mais laisse-toi faire pour une fois, bordel! Mais je suis ton complice dans cette affaire! Et un complice qui n'assume pas ses responsabilités, ça s'appelle un lâche! Et tu sais comment ça s'appelle, un complice qui préfère rester en prison au lieu de courir le prix d'Amérique? Un gros naze! Bien sûr que non. Alors? C'est non. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Véro!
d'abord mon cheval, ensuite ta fille. Si je retire ma plainte, il s'installe au château. Je veux qu'elle rentre à la maison. Cette histoire a assez duré. Allons-y. Je t'aurais prévenu. Je m'appelle Jean Lacarrière. Je viens retirer ma plainte contre Michel Rousseau. On ne pourra sûrement pas le libérer tout de suite. Il était ici. Pendant tout ce temps. Ah, il manquait plus que ça. Regardez-moi comment il est fagoté. Et qui lui donnait à manger? Ben moi. Pauvre gosse. Il est affamé. Mange. Alors, tu as des nouvelles? J'ai voulu expliquer qu'il y avait deux justices. Une pour les riches, une pour les pauvres. Il n'a rien voulu savoir. Sa tête on passe au trot, force pas l'allure. La piste est longue, petite tête, ménage ta monture, doux, tout doux. Mais arrête de tourner comme ça. La solution, tu la connais comme moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'as gagné. J'ai plus sommeil. Oh. Comme si ça ne pouvait pas attendre. Les banques n'ouvrent qu'à 9h. Je préfère passer le premier. On sait jamais. Si Michel a vraiment fait une bêtise, j'aimerais aider à la réparer. On est un petit peu loin du pont. C'est un immeuble important. Tu vois, mon chéri. J'enfléchis, je vous rappelle. Jacques tient à t'indemniser. Avec cette misère. Ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Je vous sers un petit café. Volontiers. Louise? Monsieur Lacarrière. Qu'est-ce qui se passe, Berthelier? C'est au sujet d'Angèle Rock. Vous aussi? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce cheval? Je voulais vous rembourser l'argent que Michel vous a emprunté. Écoutez, voyez ça avec ma femme, moi je ne veux plus en entendre parler. Faut absolument racheter ce cheval, monsieur, il peut tout faire basculer. Un canasson qui a une patte cassée, mais vous êtes tous fous. Il peut gagner. Oh, faudrait bien voir ça. Un cheval infirme, c'est comme un général sans képi. Ça vaut rien, commissaire. Ça lui vaut quand même d'être en tôle, au garçon. Et si je vous file un tuyau pour le prix d'Amérique? N'essayez pas de m'acheter, Bacolion. Essayez plutôt d'acheter le juge pour enfants. Mais qu'est-ce qu'il a contre lui? Il y a d'abord eu cette histoire de vol. Bon, je sais, oui, l'affaire est classée puisque Lacarrière a retiré sa plainte. Seulement, le juge n'est pas fou. Il veut garder Michel pour pouvoir récupérer le petit frère. Mais il court demain. Ah, mais je sais. Je sais. Si on mettait la main sur le petit, il n'y aurait plus de problème. Vous pourriez le libérer tout de suite? Garde ta capuche sur la tête et fais-toi tout petit. Faut faire gaffe, cherche encore. Ils vont m'oublier à la fin. Eh bien, ralentis-la, détends-le.
Et tu t'arrêtes au passage. Doux. Eh bien, tu as bien réagi, là. Allez, viens, tu vas faire un petit tour. Alors ? Toujours pas de nouvelles ? Non, toujours pas. Bon, garde une bonne main, ne laisse pas s'éclater. Je te le confie. Hey. Un petit tour ? Allez. Allez. C'est allé, il finira bien par revenir, ton Michel. Ils vont pas le relâcher, tu sais bien, pas avant qu'on ait retrouvé Romain. Ah bah ça, Michel ne rendra jamais son frère. Hein. C'était qui ses parents, Jacques ? Moi j'ai surtout connu son père. C'était un grand entraîneur. Un très grand entraîneur. Moi j'ai travaillé pour lui. Bien hiver, il est parti à la montagne, il avait besoin de changer d'air. Il a été pris par une avalanche. Et sa mère ? Il était avec lui. Il se quittait jamais, ils faisaient tout ensemble. Jusqu'au bout. C'est terrible. Ah, tu vas pas chialer, hein ? Non, moi je m'y mets aussi, hein. Alors. Allez, allez. Alors. Messieurs, dames. Bon, et bien maintenant, on arrête de jouer. Alors, allez chercher le gosse, ça nous évitera de fouiller. Le gosse ? Quel gosse ? Bon, allez, ça suffit. Écoutez, je vous dis, on sait tout. Salaud, dénoncez un môme. Bon, donne-moi une autre, ça me fait du bien. T'as fait ça pour récupérer Michel, c'est ça ? Ah oui, exactement, mademoiselle. Ça s'appelle un échange standard. Romain ? Romain ? Romain ? Romain ? Bon, ça va, suffisamment cherché, ça pourrait leur aller. On a cherché partout. On n'a pas trouvé. Désolé. Tiens donc. Désolé, hein. Et dans vos journalistes, vous m'avez pris pour un clown. Eh ben, votre Michel, je ne sais pas quand vous allez le revoir. Bon, je suis vénal, d'accord. La vue d'une liasse de billets épaisse comme un château brillant me fait mettre à table. J'aime l'argent facile. Mais c'est pour ça que je veux gagner cette course. Bon, vas-y, donne-moi une autre gifle. C'est foutu. C'est vrai que sans lui, on est cuit. Toi, tu dis que Cyril... J'ai le rôle qui veut pas de Cyril. Il veut bien Michel, il veut bien Véronique. Mais Véronique est pas accréditée. Ouais, mais enfin, ça peut s'arranger. Hein ? Tu dis qu'elle est capable ? Ah oui. Bon, ben, même taille, même allure, en coupant un peu les cheveux devant, on ramasse le restant sous la toque, derrière... Non, hein. Avec les lunettes. Ah oui, ça, Angèle Roy qui verra que du feu. Mais pas les commissaires de course, ni les juges à l'arrivée. Ben, après la course, tu rentres au paddock sans accorder le moins d'interview, c'est vous qui parlez à la presse. Mais ça marchera jamais. Puis alors, moi, j'aime pas la triche. Mais c'est pas de l'arnaque, ça. Le cheval, il gagne la course à la régulière.
Bon, il y a qu'elle qui peut le driver, elle n'est pas accréditée. Mais faudrait quand même que je sois d'accord, non? Mais tu es d'accord. L'idée, c'est pas que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est que le cheval soit d'accord. Yvonne, j'ai pensé que tu pourrais m'accompagner à l'hippodrome. Et pourquoi faire? Bah, tu comprends, l'autre garçon, s'il n'est pas là pour voir la course, il faudra bien qu'on la lui raconte. Hein. Et toi, tu te souviens mieux des détails que moi. Bah, mais, moi, je regarde que les chevaux, alors. Tu la trouves? C'est une robe neuve, non? Mon pauvre bonhomme. Tu crois que j'y avais pas pensé? Elle est belle, hein? Angèle Rock. Ce soir, je dors avec toi. Demain, je me rends pour que tu puisses gagner la course. Les couleurs de la victoire. Et le petit? Il doit se planquer quelque part. Il remontrera le bout de son nez quand Michel reviendra. Il a trop peur qu'on le renvoie à la danse. Faut le comprendre, hein, ce pauvre gosse. Il a que son frère au monde. J'ai encore essayé de convaincre le commissaire ce matin, il n'y a pas eu moyen. Hein. Allez, laisse. Force pas si tu n'as pas faim. Merci. Oh, tiens, j'ai pas faim non plus, moi. Comme au théâtre. Avant d'entrer en scène, ils ont le trac, ils savent plus une ligne de leur tirade, c'est le trou noir. Et puis les lumières s'allument et bonjour, monsieur, dame, tout revient. Elle, c'est pareil, elle tremble. Mais attends le départ, elle va nous faire bénir. Bonjour. Bonjour.
Allez, vas-y. Il n'y a que des mecs. Bien, évidemment, mais n'y pense pas, te trouble pas. Et concentre-toi. Ils vont s'en apercevoir. Mais non, si t'as un comportement de mec, c'est des mecs, ils verront que du feu. Ils sauront même pas si t'es un mec ou pas un mec et tout, vas-y. C'est très bien. J'aurais dû venir avant. Ne t'en fais pas. Deux instants, mais l'épargne prédémérique, grandissime favori, le numéro 51 contre 1. T'as vu ça? Personne n'y croit, ce bidet. Deuxième favori, le 5 Anta, à 8 francs 50. Deux énormes outsiders, le 11 Glibé, à 30 contre 1. Et le 3 Angel Rock, à 51. Génial, 51 contre 1. C'est bon? Si c'est bon, évidemment que c'est bon. Allez, allez, on n'est pas en avant. Vous savez que vous n'avez pas le droit. Alors, t'as joué Angel Rock? Ça va pas? Un cheval à trois pattes, il est fou. Non, non. Les différents concurrents commencent à pénétrer sur la piste. Nous reconnaissons le numéro 5, Anta, actuellement, qui pénètre sur le Mâchefer. 2700 mètres pour ce prix d'Amérique. C'est dire qu'on passera. Mais où est-ce qu'il est? Je vois pas. C'est la carrière. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Y a un problème? Quoi? Mais t'es sûr? Bon, j'arrive, j'arrive. Ta fille a encore trouvé le moyen de nous foutre dans la merde. Dépêche-toi. 50 000 Angel Rock gagne. Merci. Angel Rock. Angel Rock. Angel Rock. Placé. Mais non, gagnant. À toi, alors. 1000 francs, le 3, Angel Rock, gagnant. Et voici Angel Rock qui pénètre en piste. Angel Rock est à 51 contre 1, c'est un très bon choix, mais il a eu de très très gros problèmes de santé. C'est un problème. Comeback aujourd'hui. Va-t-il pouvoir terminer la tout de suite, hein. La question, il sera sur 4 jours. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de ton ombre ou quoi? Nous espérons que tout se passera bien durant la course. Angel Rock gagnant. Mais c'est pas possible. Mais regarde, c'est Véronique. Mais qu'est-ce que tu fais? Le 8 amour d'avril, le grand favori. Mais qu'est-ce que tu dis? Dis-donc, qu'est-ce que tu fais? Mais la course. C'est le vainqueur du prix de Bourgogne. Le 6 Ambati avec ses 3 millions de gains, c'est le vainqueur du prix de l'étoile. Et le 5 Amanda, le vainqueur du prix d'Amérique de l'année dernière, avec ses 2 millions et demi de gains, ils se disputeront certainement la victoire. Les concurrents du prix d'Amérique passent sous les ordres. Amour d'avril est à 1,80 francs, c'est cette casaque jaune et rouge. D'ailleurs, tous les spectateurs se hissent dans les tribunes. Les derniers sont rouges avant de lâcher. Voyons déjà la voiture qui place ses ailes et qui appelle les différents concurrents. 2700 mètres par-dessus. Michel est revenu. On va gagner.
trouve ça, c'est bien comme ça. Bah, je veux dire que pour un cheval à trois pattes, il part bien, ça. Paris Pace est déjà en deuxième position et qui vient déjà pour se placer dans le sillage des hivers des chevaux qui ont déjà battu Anta. Anta qui est au galop et qui va être distancé dans quelques instants, ce qui va porter à Amonabri, la Monabri qui est déjà en tête. Regardez ce bombé dans un foncé à l'extérieur. Dit le commissaire, si mon frère gagne, il a le droit de venir me chercher. Vas-y mon coco, vas-y, continue comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois là? La chauffe est très bien. Allez, allez! Allez, allez! Oh, le voilà qui arrive! Allez, fonce, me lâche pas! Vas-y Michel, vas-y! Vas-y, vas-y! Allez, vas-y, vas-y, vas-y! Super, ça. Très beau jour, très beau jour. Il avait mal, j'ai été obligé de le retenir. Mais t'as bien fait. Il y a quelque chose que je comprends pas quand même. Mais
C'est quoi que tu comprends pas? On dirait un puceau à qui on a promis la lune. C'est comme ça. Mais quand même. Tiens, tu me le tiens. J'ai quelque chose à faire. Et si on allait le voir, ton grand frère? Il a peut-être besoin de toi, lui aussi. Non? Récapitulons l'arrivée de ce magnifique prix d'Amérique, victoire. Deuxième, c'est quand même formidable. Allez, on l'a tous joué gagnant. Là, regardez. Les roues. Repassons-le. Ah oui, vous avez raison. Ah, je suis pas fou. Je savais bien qu'il s'était passé quelque chose de bizarre dans le dernier virage. Après enquête et projection du film, les commissaires de la course déclarent Amour d'Avril disqualifié. Vainqueur, Angel Rock. C'est génial. C'est quoi cette histoire? C'est fou. Alors, vous êtes étonné de cette victoire? Ah bah complètement, oui. Là, je m'y attendais pas du tout, je pensais avoir perdu et puis même certain que... Ah oui, mais il a fait une faute aussi à la fin. Il a fait Le jockey leur a fait sortir les cheveux quand même. Ah, le parfum de l'oseille, hein. Génial. Service. Je vous remercie beaucoup. Oui. Tu prends une valise. Tu es riche maintenant. Tu n'as plus besoin de moi. Au contraire. Chez moi, on dit, les perdants sont parfois les gagnants. C'est le plus beau.